Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois d'août, vous tirez bien votre épingle du jeu. Hein. Personnellement, je trouve que le soleil en Lion, tout d'abord, vous met dans des relations, vous propose de nouvelles relations ou de visiter de nouveaux endroits ou d'être avec des gens que peut-être vous allez rencontrer, que vous allez apprécier. Vous les connaissiez pas. Il y a tout un rapport à l'autre et à la nouveauté qui peut être vraiment agréable à vivre le temps que ça durera. Dire vous allez le ressentir seulement pendant 2 ou 3 jours et deuxième et troisième décan en particulier puisque le premier décan a déjà reçu la visite du soleil fin juillet. Après le 22, le soleil occupera la Vierge, c'est votre signe d'ombre, donc vous serez un petit peu en retrait, mais ça ne veut pas dire que vous le vivrez mal, hein. Vous serez en retrait tout simplement parce que peut-être que vous aurez envie d'être plus spectateur qu'acteur. D'ailleurs, bon, on sera tous spectateurs des Jeux Olympiques en ce mois d'août, en tout cas jusqu'au 11 août. Hein, après il y a les Paralympiques, ça peut être aussi évidemment très intéressant. Voilà. Du côté des activités, c'est là où vous allez surnager par rapport aux autres, par rapport à beaucoup d'autres en tout cas, étant donné qu'il y a une conjonction. Du côté des activités, c'est là où vous allez surnager par rapport aux autres, par rapport à beaucoup d'autres en tout cas, étant donné qu'il y a une conjonction en Gémeaux, qui est vraiment un signe très bien placé par rapport au vôtre, une conjonction entre Mars et Jupiter. Donc, c'est quelque chose sur le plan polémique qui peut être très... prendre beaucoup de place. Hein, les discussions, tout ce qui est lié à la critique de l'actualité, tout ça prendra beaucoup d'importance. Et vous regarderez ça avec, c'est votre secteur 9, donc vous regarderez ça avec beaucoup de distance parce que probablement que vous aurez d'autres centres d'intérêt, même si vous aimez le sport, hein, et que vous serez très content, par exemple, de pouvoir assister aux Jeux Olympiques, que ce soit à la télé ou que vous y soyez hein, en vrai. Parfois, vous trouverez d'ailleurs que ces critiques sont injustes. On vous connaît, hein, les balances, on sait que vous aimez que la balance de la justice est importante pour vous. Or, c'est votre secteur 9 qui va être occupé par Mars et Jupiter, et c'est un secteur, justement, de loi, de justice, etc. Donc, ça va compter pour vous hein, énormément. Et en dernier lieu, quand même, cette conjonction Mars-Jupiter, elle est en dissonance avec Saturne. Hein, donc, je pense que vous assisterez à des événements qui ne seront peut-être pas aussi joyeux que vous auriez aimé qu'il soit. Côté cœur, eh bien, Vénus va être en Vierge aussi à partir du 5, donc dans votre secteur d'ombre. Vous mettrez certainement vos sentiments de côté pour être plus objectif dans votre façon de juger l'autre. Le sentiment est quelque chose qui fait que souvent, on ne voit pas les autres tels qu'ils sont, mais tels qu'on aimerait qu'ils soient. Alors, certains, effectivement, s'efforceront de voir l'autre de manière un petit peu idéale, hein, mais beaucoup d'autres seront obligés d'être objectifs, un petit peu critiques vis-à-vis de celui ou celle qu'ils aiment, ou de leurs proches, hein, tout simplement. Il y a, si vous voulez, tellement d'autres aspects que peut-être que vous pardonnerez pas vraiment à ceux de vos proches qui ne se comporteront pas de manière affectueuse avec vous, hein. Vous trouverez que les autres, en tout cas ceux que vous aimez, ne sont pas assez affectueux et attentionnés avec vous. Vous aimez les petites attentions et peut-être que vous n'en aurez pas assez, que
ça vous rendra un petit peu malheureux, mais bon, Vénus ne s'attarde pas, hein, donc une fois qu'elle sera passée, eh ben, vous retrouverez le climat tout à fait habituel dans lequel vous évoluez. De bonnes journées, hein, le 5, le 15, le 19, puis le 27 aussi. D'abord, évidemment, pour vous faire de nouvelles relations ou pour, faire des choses nouvelles, voyez, qui vous donneront la sensation de faire quelque chose. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous savez ce que vous pouvez faire, hein, consulter nos réseaux sociaux ou nous écouter dans nos lives du mardi et du vendredi. Quoique, mois d'août, on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances. En revanche, on sera là pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, d'analyser votre thème, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Très bonnes vacances à tous.